Bonjour, nous voici sur un TP d'imagerie numérique. L'objectif étant de vous rendre autonome vis-à-vis de l'insertion d'images dans un document comme un traitement de texte, un rapport de stage ou un diaporama, sachant qu'avec vos téléphones, smartphones actuels, ils incluent un appareil photo avec un capteur d'image avec un grand nombre de millions de pixels, ce qui fait qu'en général, si on veut arriver à respecter la règle des moins de 10 mégas au niveau des pièces jointes dans une messagerie, dès que vous mettez trois images dans votre rapport de stage, c'est foutu, il n'est plus possible de l'envoyer. Donc il y a en amont tout un travail d'imagerie numérique à faire, notamment pour réduire le poids et la taille de vos images. Le but de ces séances-là, c'est vraiment d'arriver à appréhender tout ça. Pour vous aider, je vous ai mis plusieurs cours qui ont été réalisés, plusieurs fiches de cours qui ont été réalisées par un autre enseignant team. Donc vous allez avoir une introduction à l'imagerie numérique, puis quatre fiches spécifiques à l'utilisation de GIMP, une fiche vis-à-vis de la prise de vue, une vis-à-vis de la palette de couleurs, puis enfin, comme ce que vous avez vu les autres fois pour les autres logiciels, un memento rappelant les principales fonctionnalités et où est-ce qu'on les trouve dans le logiciel GIMP. Donc vous avez à disposition tous ces fichiers de cours issus du blog du prof team. Donc vous voyez, là par exemple on est sur le tout premier qui va vous apprendre qu'est-ce qu'une image, les deux types d'images, vectorielles, les bitmaps, la compression pour que le fichier soit plus petit, le nombre, les images avec le nombre de couleurs, les optiques, la focale, les diaphragmes, l'obturateur, les zooms optiques ou numériques, les différences, etc. Donc je vous ai laissé tous les liens, j'ai pas modifié les documents de cet enseignant-là. Vous voyez qu'il a un gros blog, il est sur Facebook, il est sur Twitter, il est partout. Et il vient du lycée du FA du Maine, CFA du Maine. Voilà, donc vous parcourez tout ça. Là, vous voyez que ça parle par exemple des types de formats d'images. Donc j'enregistre en .bmp, en .tiff, en .jpeg, en .png, à quoi servent ces formats, etc. Vraiment, c'est toutes les bases à savoir. Ensuite, vous avez des fiches comme celle-ci sur l'utilisation donc du logiciel GIMP, quelle est l'interface, comment elle fonctionne, avec des impressions d'écran, l'endroit où vous voulez où vous trouver les menus, les outils, etc., etc. Puis, pareil pour tout ce qui est de comment je fais un cadrage, une composition pour faire des prises de vue. Puis, comme je vous disais, à la fin, une fiche recto verso de Memento, de toutes les principales outils, principaux outils et fonctionnalités que vous trouverez dans le GIMP. Je vous ai donc mis à disposition pour réaliser ce TP des images que moi j'ai déjà fournies, qui sont donc des photos prises sur le lycée, et vous allez donc analyser quelles sont la taille de l'image, le poids du fichier, comment les modifier, comment les transformer, comment bidouiller ces photos et me refaire de nouvelles compositions. Exemple. Donc on a ici une photo de la halle paysagère avec des tracteurs. Ici, l'hôtel à insectes qui est dans la ruine en montant vers les ruchers. Ici, des photos de Monsieur Golfier lors des journées portes ouvertes l'an dernier. La salle informatique du CFA-CFPP1. Une composition d'accueil au CDI. Une exposition au CDI. Si je reviens sur ma première image. Dans la plupart des logiciels, que ce soit celui-ci qui ouvre automatiquement les photos sous Windows 10, mais vous avez la même chose sur les Linux au lycée, ou sur du Macintosh, avec les trois petits points là-haut, je peux venir voir si j'ai pas un menu qui me parlerait de propriétés d'image. Quand je viens voir les propriétés d'image, exemple information de mon fichier, ici sur le côté, je vois que mon fichier s'appelle DSEC00015, donc ça c'est vraiment le nom qu'il y avait d'origine, je l'ai fait le 30 mars 2019, à 16h11. Attention, regardez bien le poids du fichier, 6,2 mégaoctets. Tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai dit qu'en général, dans les messageries, il fallait pas envoyer de mail avec des pièces jointes supérieures à 10 mégas. Ça veut dire que si je mets deux photos comme ça dans mon rapport de stage, c'est foutu, je ne peux plus envoyer le rapport de stage à mes enseignants ou à mon maître de stage. Ici, je vois la dimension de la photo. On parle là de pixels. 4600 pixels. Le pixel étant chaque point qui constitue votre écran à l'heure actuelle et qui constitue donc la photo. Ici, j'ai la façon dont avait été réglé l'appareil photo pour faire la capture de cette photo. Donc, un trentième de seconde,
et la focale, le nombre d'ISO, la sensibilité, et surtout aussi le nom de l'appareil. Si j'avais un appareil photo qui intégrait un GPS, j'aurais peut-être pu avoir aussi même des coordonnées GPS d'où a été prise la photo. Donc tout ça, vous voyez, ces informations, elles sont cachées à l'intérieur du fichier. Et ce n'est pas spécifique à cette photo-là prise par mes soins avec un appareil photo du lycée. Avec n'importe quel, vous avez systématiquement tout ça. Si je passe à la suivante, vous voyez qu'ici, j'ai toujours du DC570, le nom d'une photo, 6,5 mégas. Ici pareil, et ici par contre, ah, vous voyez que là, on a changé d'appareil photo. On est en ISO 640, on est à 1 soixantième de seconde, la dimension est encore plus grande, et du coup le poids est lui aussi encore plus grand. Et on a été pris par un Canon EOS 1300D. Donc attention à tout ça. Donc là, vous continuez à passer en revue comme ça toutes les photos et vous essayez de me dire, donc il y avait une des premières questions de TP, c'est combien d'appareils photos ont été utilisés. Donc vous voyez qu'en regardant les propriétés, vous allez pouvoir facilement répondre à ce type de questions. Nous retrouvons donc dans le logiciel GIMP avec la même photo avec notre acteur de l'aide paysagère. Vous voyez que GIMP a la particularité d'avoir une grande fenêtre. Et à côté, plein de petites barres d'outils comme ça, qui peuvent bouger et qui sont utilisables. Je peux aller dans Fichier et je dois pouvoir avoir quelque part les propriétés de mon fichier comme tout à l'heure. Et donc, vous allez voir que il me dit plein de choses. Donc il me dit que ça a été pris par un Sony comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on n'avait pas le mot Sony, je crois, on avait juste DSCW570. Je vois la résolution, je vois l'heure, je vois de nouveau plein de choses, comme tout à l'heure, le M30, la focale à 2,6, etc., etc. Donc là, vous voyez que, comme la dernière fois, avec ce logiciel, vous voyez encore plus de choses. Vous avez plein de petits onglets qui n'ont pas été remplis. Et donc on imagine que si tout ça s'était rempli, donc là je peux le remplir et valider, et ça va m'incruster des informations dans mon image, notamment pour tout ce qui est copyright. J'aurais pu rajouter plein de choses. Notre image. On a vu qu'elle était quand même plutôt très trop grosse. Une façon de voir pourquoi, ça va être d'aller dans Images, puis Échelle et taille de l'image. Dans échelle et taille de l'image, ici, à la place de raisonner en pixels, donc en nombre de points, ça vous parle pas trop, on va pouvoir aller mettre des centimètres. Et là, on se rend compte que notre image, elle fait 162 cm sur 121. Autrement dit, 1,60 m. Avez-vous besoin d'une image de 1,60 m dans votre rapport de stage? On est bien sur, typiquement, la problématique de les smartphones avec un énorme potentiel de photos. Mais cet énorme potentiel de photos, il est vraiment utilisable quand on veut faire des agrandissements, si on voulait faire des posters. Mais pour utiliser dans un rapport de stage, c'est absolument pas intéressant. Du coup, nous, par rapport au TP, j'ai dit que je voulais repasser en pixels et je voulais que ma photo fasse plus que 1500 pixels. Donc ici, je vais taper 1500. Je fais bien attention de ne pas couper la chaîne ici. La chaîne, elle permet de respecter la proportion largeur-hauteur. Vous voyez, j'aurais pu couper la chaîne. Et en fait, il ne faut absolument pas la couper. Échelle. Et j'ai bien ma photo en minuscule. Maintenant, je vais faire un fichier. Attention, nous sommes dans un logiciel de traitement d'images. Donc les deux principaux, ça va être Photoshop et GIMP. Nous, on est sur GIMP parce qu'il est libre et gratuit. Si je fais un enregistrer sous, il va me proposer d'enregistrer, mais au format GIMP et .xcf. Et ça, on l'a vu précédemment quand vous avez étudié le cours sur l'image numérique. Ça ne fait pas partie des fichiers classiques. Voilà. Donc là, comme on n'est pas dans un gros travail d'imagerie numérique pour l'instant, qu'on en est à faire les tests, on va faire un fichier exporter et on va l'appeler donc -mini
Et on va venir choisir ici avec le petit plus le type d'image pour l'avoir en point JPG. On fait exporter. Il nous fait des propositions pour encore réduire la qualité et réduire le poids du fichier, mais pour l'instant on va toucher à rien. On fait de nouveau exporter. Et si maintenant je viens dans fichier, je crois qu'on n'avait pas vu, mais on va quand même regarder propriété. Sur celui-là, on n'avait pas le poids du fichier. Donc on fait annuler. Et puis on va retourner dans notre système d'exploitation pour voir la différence du poids du fichier. Puisqu'on l'a enregistré dans notre dossier, on va pouvoir comparer les deux. Voilà, nous nous retrouvons dans notre dossier sur l'ordinateur. On a bien la photo initiale et la photo qu'on vient d'enregistrer précédemment, où c'est qu'on a réduit la taille. Donc si je viens là-dessus, je vois ici sur le côté que je suis toujours à 6,18 mégas. C'est la photo du départ. Celle que je viens de réduire à 1500 pixels de largeur. Regardez bien, on a bien la dimension 1500 pixels de largeur et je ne suis plus qu'à 787 kilooctets. Et pourtant, je vais cliquer dessus, vous allez voir qu'elle va être jolie à regarder. Là, je suis en visionnage écran sur mon PC et vous voyez qu'il n'y a pas de différence par rapport à tout à l'heure. À l'œil nu, on n'est pas capable de voir qu'une photo par rapport à l'autre, on a divisé son poids par 10. Donc ça, c'est vraiment très 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 important de l'avoir compris. Il faut absolument que vous travailliez vos photos avant de les intégrer dans quelconque document. Alors, l'autre travail pour apprendre à utiliser GIMP, vous deviez, selon le TP, prendre cette photo d'image avec l'hôtel Insect. Moi, je vais faire un contrôle et la roulette de manière à pouvoir zoomer. Et vous devez me détailler. Me découper cet hôtel à insectes. Pour ça, vous voyez que sur le côté ici, j'ai un outil qui va s'appeler outil de sélection à main levée. Des fois, on appelle ça aussi le lasso. Je le prends et je vais pouvoir venir dessiner plein de petits points de manière à découper mon image ultra proprement. Et donc, nous allons apprendre à faire comme ça du traitement d'imagerie numérique et arriver à faire des photomontages et de la modification d'image. Là, j'ai bouclé ma boucle. Vous voyez que les pointillés maintenant clignotent. Je peux faire une édition copier, puis une édition coller comme nouvelle image. On a donc de générer une nouvelle image. Ce qui est très important à voir sur cette image. Déjà, elle est plutôt propre. Et l'espèce de petit damier derrière vous prouve que là, on est bien dans un vrai logiciel d'imagerie numérique. Et donc, au lieu de partir comme sous Paint, par exemple, que vous aviez pu voir sous Windows, au lieu de partir sur un fond blanc, vous êtes systématiquement sur un fond transparent. C'est ça qui va pouvoir vous permettre de faire un maximum de travail d'imagerie numérique et de montage d'imagerie numérique. Puisque là, j'aurais pu prendre mon hôtel insecte et le poser sur une autre photo, et j'aurais pas eu de blanc qui dépasse. Puisque je démarre avec une feuille transparente derrière. Donc je peux faire un fichier enregistré sous, si j'ai encore besoin de travailler sur mon fichier. Et dans ce cas-là, je suis bien sur le format GIMP, un .xcf. Donc je mets un mot, hôtel insect, .xcf, enregistré. Et je pourrais du coup retourner dans mon image et arriver à la retravailler. Puis fichier exporter sous, comme on a vu tout à l'heure. Et dans ce cas-là, je suis bien en format JPG, comme on a fait précédemment. Exporter. Il me demande quelle qualité je veux. Je peux la réaugmenter à 100%. Exporter, oui. Et il m'a bien créé mon hôtel insect. Voilà. De retour dans mon gestionnaire de fichiers, je peux voir que j'ai bien ici mon fichier d'hôtel insect en point JPG qui fait 1,35 mégaoctets. Et par contre, j'ai mon hôtel insect en point XCF.